La méthodologie de force de sentinelle de temps de chasse et de temps de chasse. La définition de quartier conforme à la définition à celle de l'OMS. Le recueil et l'analyse des régulières de données. La lettre et l'indication de ressources. Les types sentinelles se trouvent dans une zone de forte quantité de circulation qui sont des carrefours. Représentative de certaines épidémiologies de paludisme avec une possibilité de communication par téléphone, c'est un centre de santé de base publique ou privée, tenu au moins par ce personnel soignant pour assurer la continuité du recueil des données et un volontariat estimé du service de santé. La définition des cas. Une pièce qui est la température qui devrait être dans la française simple. Il y a une suspicion de grippe lorsque le patient présente la fièvre, la toux et maux de gorge. Il y a une suspicion d'arthrose lorsqu'il a une fièvre avec au moins deux de six suivants, c'est-à-dire myalgie, arthrite, douleur de transitaire et le syndrome du syndrome mémorique. Le paludisme confirmé si il a une fièvre et peut être diagnostiqué positif. Le recueil et l'analyse de données, le recueil de données, peut-être sur un état de capacité journalière, où on enregistre le nombre de consultations, le nombre de fièvres, le nombre de suspicions, le nombre de. TDR utilisé, le nombre de TDR positives, le nombre de suspicions d'arthrose, le nombre de suspicions de consultants, le nombre de patients, des données par transport. La toute de déclaration individuelle de cas de fièvre, il y a les renseignements sur les centres, renseignements sur les patients. Renseignement sur les symptômes cliniques, le diagnostic du médecin, les progressions cliniques qu'il trouve et la prise de traitement psychologique à part. Il a une base de données qui permet de mesurer les indicateurs et de suivre les conditions. C'est une base de données accès. La réception des données se fait par le message, le SMS. Et il y a une rétro-information sur le formateur, sur le site personnel et une rétro-information ancienne sur les zones des activités et du site personnel. C'est utilisé par le journal et du site. La mère en justification et du poste actuellement en absence de données antérieures. Il alerte qu'une augmentation anormale des indicateurs de fièvre, indicateurs de suspicions d'arthrose, de suspicions de grippe et de paludisme confirmé. Et après, il y a une confirmation de la situation de l'infirmière. Il ressentit qu'il y a une alerte et le déclenchement de l'investigation et de l'alerte. L'alerte peut être donc tenant du cadre, c'est-à-dire du comité de pilotage, l'anticipateur, les services publics contre les maladies émergentes et émergentes, les services de surveillance épidémiologique, puis de la direction des urgences publiques contre les maladies transmissibles. Le SISAM, c'est le service de l'urgence de catastrophe. Il peut être donc aussi vérifié que la périphérie de l'urgence, c'est-à-dire que le centre sentinel informe les membres de la médecine. C'est ça que c'est la santé, le centre qui est en œuvre. Le résultat. Actuellement, donc, il y a 36 sentinelles
Alex minha quarta máxima para pagar e tolanar a noite e a casa maior semana matando assim e afinando por o plató com Matisse, Muraman e Luz por Cinto, Murtaba, Filiar e Cinto. E todo o Cinto está com ele e o Luz para que está do Cinto e o Tata Cinto que é o Cinto. Il a fallu de la condition de l'activité, le fait de l'activité de Dieu, de la CDA, et après les panneaux, les supervisions, il a pris la condition d'activité. Il y a un retard lorsque c'est plus de 24 heures qu'on n'a pas reçu les données. De la correction qui était soit à la réception qui était une femme, soit à la réception de Tissé, Tissé, Tissé-Pateur, je ne vais pas récapituler tout ça, c'est une année. Depuis, depuis qu'après le commencement de la séance jusqu'au 1er mars, on avait enregistré 13 333 pièces. Qui représente tous les 10% des pièces de la consultation. Le PDR utilisé a représenté 10% le PADISM a confirmé à 11,4% le 10% d'Algérie, 10,8% et le 10% de CRIP, 13,7%. Cette figure représente la part de cas pour chaque centre, pour chaque centre, sentinelle, et nous donnons la donc à l'est, celui qui se sent le paradis, le clair, qui se sent la rivière, bleu, qui se sent le pain, et gris, rose. À l'est, donc, c'est moins que ça de paradisme, ça signifie par rapport à l'ouest, la rivière, l'ouest. Et au nord, on a beaucoup de discussions d'arrêt du rose par rapport au sud. Et au sud, il y a surtout de la grippe. Et sur le hauteur, on m'a dit que la part paradisme est de la grippe, c'est à peu près le monde. À l'initié, plutôt la présidence et le participe. Par le paquet épidémiologique, c'est un paquet équatorial, le participe à l'initié, un paquet sur le 4%, la participation de la présidence, un paquet sur le 5%. Et le centre-ville représente 11,2% de la participation du système de groupe qui est le centre-ville. À l'ouest, le participant équatorial, le participant continué à 15,2% de l'ouest, c'est pas plus à l'est. Mais le centre-ville, c'est à peu près le même, 11,5%. L'utilisation du PDR qui a pratiquement changé depuis la transition. Le substitution d'arbre-roi qui est pratiqué même 5% et le substitution de plus que moins fréquent celui de 1000%. Sur le plateau, la part de la pierre parmi les conséquences a été élevée par 5% de voix sur le côté. Sur les côtes, le paradisme a confirmé que le 10,8%, le 10% d'un tableau général, ainsi que le 4%, mais le 10% de plus, c'est le 7,9%. Au sud, la part du ciel parmi les conséquences est moindre, 9,3%, l'utilisation du PDR à 14,4%, le paradisme a confirmé que le 12,6%, le substitut d'un populaire 10,9% et le substitut d'un plus de 15,9%. Sinon, c'est
faisant donc une analyse de la page unique de la Bible de Clara Saint du ciel. On a Représentative de la population en général. La répartition de la population continue selon l'âge et le climat, à durée, le sucre, parce que à Seigneurie, sur le plateau, vert, l'est, donc ça c'est équatorial, noir, l'est, ça c'est une équatorial. Au sud et sur le plateau, la répartition de l'établissement continué intéresse quelques le transport. À l'est, il y a moins de cas que les enfants et il y a moins de cas que la ville. Et à l'est, il y a ce qui est en l'air, en tout cas, beaucoup de temps de transition. Dans la moyenne, 9,7%, on peut prendre conscience de la circulation, c'est 9,9%. Le second niveau, il y a moins de cas, de circulation de vie, sur le poste sec.
venir la augmentation des substituts thérapeutiques, donc l'indicateur thérapeutique, l'indicateur de crise, l'indicateur de la intoxication et la compatibilité. Nous avons enregistré juste alerte et les alertes, il y a l'augmentation d'indicateurs de parcours de vol, de paris, de crise, et une demande d'un responsable du ministère de la Santé comme des problèmes de dommages, nous demandons de retenir sur le cas d'un des virus à son masque. La confirmation de l'étude qu'il a souligné de ce qu'il s'en assure, mais la tendance dans la zone est normale. Commentaire. Cette analyse en préliminaire de structure par côté de l'électrique, parce que c'est un électrique, mais ça permet d'évaluer le système mis en place. Nous avons donc un système facile parce que nous avons pu avancer des caméras. C'est utile parce qu'il y a un exemple de la campagne de zone qui est en cause. Et nous avons donc la réception des données journalières, c'est une image des analyses en temps réel, donc une intervention dans les objectifs. Et il y a une technique pour la population. On a une base de données, c'est un suivi et à l'évaluation du poids du fabricisme. On a donc un outil de décision. C'est un outil de support, le responsable. L'utilisation du CPR, si c'est positif, c'est du palétisme. Si c'est négatif, ça permet de penser à votre pathologie dans une prise en charge correcte du malade, d'une génétique pour les malades. Conclusion, la pièce n'est pas synonyme du palétisme parce que nous avons trouvé que c'est moins de 15% des pièces de crise infirmée. Mais la préparation implique l'utilisation du CDR pour savoir est-ce que c'est vraiment du palétisme ou autre. Le CDR utilisé dans le programme national de santé de l'éducation a déjà évalué. Et c'est le temps évalué pour choisir le type, est-ce que c'est le CLDA ou le HRPD, et évaluer aussi si le fabricant, pour choisir le fabricant, le test SAP donne 97% de sensibilité pour déterminer l'exemple à fonction participante. Et au cours de notre thèse de l'analyse, nous disons que la conservation des il n'y a pas d'analyse par l'utilisation des modèles à perception, manipulation. Et la perspective. Nous souhaitons donc de continuer la suite en face de notre terre pour déterminer les seuils épidémiques. Nous nous disons aussi étendre les substantiels parce que chaque région à Madagascar a ses caractéristiques. Et nous voudrons aussi étendre la suite en sur notre pathologie. Pour partager cette expérience. Je vous remercie de votre attention.